Créer un calque depuis une image. Donc, cette opération est une des opérations de base de Photoshop. Elle consiste à utiliser une sélection. Bon, pour ce cas-là, vous voyez ici, la sélection a été déjà créée à partir de cet outil-là, l'outil sélection à main levée. Une fois que la surbrillance apparaît, la sélection est opérationnelle pour faire le calque. Il suffit alors d'aller dans le menu édition. Choisir copier, c'est-à-dire que je vais simplement copier la sélection et de retourner dans le menu édition, coller. Là, vous pouvez observer sur la droite de votre image un élément très important, c'est-à-dire que vous avez fait apparaître l'outil suivant, le visuel suivant, sélection flottante. Il s'agira de transformer sélection flottante en calque de façon très simple, soit en allant sur l'icône Créer un nouveau calque, soit en allant dans le menu vers Nouveau calque. Donc je vais valider cette option. Voilà. Une chose apparaît de nouveau. Ici, le calque copié est signalé et non plus sélection flottante. Et puis, également, un élément graphique jaune pointillé noir apparaît, ce qui signifie qu'en fait, on a ici les limites du calque. Alors, exemple avec un outil de déplacement, les calques sont confondus. Le calque est confondu avec son fond et n'apparaît pas vraiment. Mais si je le déplace avec cet outil, voilà, je m'aperçois qu'il existe bien deux images superposées l'une sur l'autre. Voilà, le calque est créé. Je peux opérer en faisant un copier-coller soit dans une image, soit en faisant un copier-coller dans une autre image.